Alors nous sommes ici pour célébrer donc le graduation de Sabrina Anaël Bourdi. Je me souviens le jour où nous l'avons ramenée de l'hôpital, ouais. À sa naissance. Mégane croyait que j'étais peut-être une poupée. Elle a ramené la poupée, elle voulait jouer avec la poupée. Et puis quand elle a bougé, elle dit « Oh !» Et elle a pleuré. Elle a compris qu'elle avait maintenant une petite sœur dans la maison. On ne voulait pas être en train de jouer. Mais c'était une poupée qu'on avait amenée. Et quand elle a su à bouger, elle a pleuré. Et il a regardé, il dit ça. Et je me souviens encore quand je pense à Mégane, que chaque fois que je venais du travail, je l'appelais Mégane. Parce que c'était le seul enfant dans la maison. Et je demandais à Mégane, Mégane, le bébé est où? Elle disait toujours en haut. Elle avait encore à peine un an, 15 mois. Et je disais, le bébé est où? Elle disait en haut. Le bébé en question, je me souviens toujours comment j'ai l'air pris à marcher. À crawling d'abord, on appelle ça quoi? À ramper d'abord, dans le salon à côté. Et après, sa maman était en voyage. Mais moi, derrière, elle s'inquiétait pourquoi il ne marchait pas. Puis moi, au fond de moi, j'ai dit, je vais m'en occuper. Et je l'ai appris à ramper. Et ensuite, un beau jour, j'ai dit, bon, ça suffit. Il faut que, quand tout le monde va revenir dans la maison, que ce soit en mesure de marcher. Allez, viens. Elle marche. Il a essayé une fois, il a eu peur. Elle s'est arrêtée une deuxième fois. J'ai dit, allez, viens. Nous sommes à côté. Et elle a marché. Et voilà. Elle a débuté une marche qui continue aujourd'hui. Elle est admise dans une bonne université. Après avoir passé 4 ans à Boulis. Et elle a terminé avec High Honor. Je vais te congratuler. High Honor, ça veut dire que le pourcentage de points à ce niveau-là, c'est 92%, 92,5% et plus. Ça veut dire mention très bien. Donc elle va dans une université prestigieuse comme sa sœur va à Occidental College où le président Obama a été. Je suis les traces du président Obama. Oui. So Sergina is going at Boston University. She has been selected among 64,000 applicants and only 3,300 were admitted. Wow. Elle a été admise à Boston College, où cette année il y a eu 64 000 demandes et elle a été admise parmi les 3 300 qui ont été sélectionnés. On peut l'applaudir. Oui. Oui. 4 ans à Boulis, dont les frais de scolarité sont les équivalents, sinon plus que d'autres universités. Mais sinon, c'est le coût des universités. Mais nous nous sommes sacrifiés pour être sûrs que Mégane et Sabrina avaient la chance de profiter de nos petits moyens pour avoir une très bonne éducation. Pourquoi Boulis? Un beau jour, Mégane est venue me voir pour dire « Papa, j'aimerais aller dans une école privée. » Je dis pourquoi. Elle me dit, je veux avoir, I want to have a better education. Rien que ça, ça m'a convaincu qu'il fallait le faire. Puisque c'était le seul but. On a parlé de ça aujourd'hui là-bas. Donc c'est pourquoi j'en parle ici, entre nous en famille. Et Sergina, qui est très liée aux amis, avait un peu hésité. Elle a passé le test, c'était très bien. Et à la fin, elle a fini par aimer Boulis. Et elle quitte Boulis, non seulement avec High Honor, c'est-à-dire mention très bien,
pour aller dans le Massachusetts, le quartier latin de l'Amérique, Boston est réputé d'avoir eu le premier lycée aux États-Unis, the first high school in America was created or founded in Boston. So, few months from now, she will not be with us anymore here, but she will be miles away on the east coast of Boston, attending the very impressive and elite college, Boston University, that is called BU. Congratulations, please. J'ai tenu à ce que Godet soit là, parce que Godet est non seulement travaille pour le Congo, s'occupe de la famille de l'ambassadeur, mais elle est venue ici spécialement pour garder les gars des sergents. Voilà, c'est Godet. Godet était tellement attaché à Sergina qu'elle voulait même que Sergina dorme avec elle. Elle a dormi avec elle. Donc, aujourd'hui, j'ai tenu à ce que Godet soit présente. Parce que ce sont les deux seuls enfants que nous avons dans la maison. Et Godet était venu pour s'en occuper. Elle s'en est très bien occupée. Mes chers collègues, frères et amis, vous pouvez remercier Godet aussi. Je veux dire merci à mes parents pour m'aider pour mes 4 ans à lycée et pour m'aider avec mon avenir. Aussi ma soeur qui était avec moi tous ces temps, si elle m'a aidé aussi pendant lycée avec tous mes problèmes. Et merci tout le monde aussi. Je suis contente de pouvoir qu'est-ce que va venir. Okay.